les amis, ici Bonnie Family et... Et Thomas. Comment ça va? Bah écoutez, nous je pense que ça va bien, oui. Malgré un temps pas terrible dehors. Hein. Oui, pour un petit plaisir, on va peut-être vous faire une petite vidéo. Alors ce sera une toute première vidéo, donc soyez être... un peu indulgents. Ça va être une vidéo de Switch, on l'a mis sur la télé parce que je pense que c'est un petit peu mieux. Et on va s'attacher au jeu Zelda Breath of the Wild. Désolée pour le nom si je dis mal. Donc en fait, je vous laisse en compagnie de Thomas. Oui, et en fait, pour cette cinématique, on va se taire. Et en fait, quand on commence le jeu, il ne nous met pas direct pour choisir. Ça nous met direct une cinématique. Alors du coup, mon compte YouTube, c'est ici, Splatoon. Alors, allez, on se tait. C'est cinématique. Alors, déjà, si ça marche. Donc ça va marcher? Oui. C'est un petit peu sombre, mais il y a écrit Switch, si vous ne voyez pas. Mais si, vous voyez, attends. Quand ça commence. Ça commence pas du tout, en fait. Ah, si, Nintendo présente. C'est-à-dire, vous laissez vraiment. Peut-être des choses pour être offline, mais on commence à en avoir. Mais, je vais casser cette télé ou cette Switch. Et ça commence vraiment. Donc là on parle plus, c'est ça? Oui. D'accord. Je vais avoir une petite cinématique. C'est la princesse Zelda. Ouvre les yeux, Link. Là, il se réveille. Ça ils sont bien faits les graphismes. Oui, ils sont très bien faits. Même, ils sont très bien faits, j'ai vu. Ils sont super beaux, ils sont bien appliqués. C'est très beau, même. Ça y est, là, on commence à jouer. Je pense que là, vous savez où est-ce qu'il faut y aller. Au début, on commence à être 3 coeurs. D'abord, il ne nous dira pas caméra, se déplacer, c'est juste pour savoir. Alors, je vais déjà vous... En fait, des fois, nous, si on arrive à faire un truc qu'on ne connaît pas, ben, ça le fait. Allez, pour le plaisir du bruit. Allez, on va voir un objet spécial. Spécial. Oui, rare. Enfin, dans le jeu, il dit spéciaux. Allez. Au début, il y a beaucoup de cinématiques. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Là, c'est nous qui appuyons. Vous voyez, c'est un objet rare. La tablette Sheikah. C'est très utile. Je vous lis ce que c'est. Alors, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse, bien que vous n'avez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Familier, je ne vois pas, désolé. Familière. Et on peut aussi, quand on vient juste d'avoir notre nouveau objet, ça fait ça. Et on peut faire notre sacoche, ça ressemble à ça. Si vous voulez savoir, bah, allez, on commence, hein, tiens. La porte va s'ouvrir, sinon on ne sait pas ce qu'on faisait. Au début, on pense un petit peu tout nu. Ouais, il est un peu à poil quand même. Hein. Oui, tu disais quoi? Il y a une seconde, tu disais quoi, Nike? Regarde, tu disais quoi il y a une seconde?
tu nous montres déjà un petit peu. Des fois, ça arrive que Lynn se fait mal. Ah bon? Oui. En fait, c'est pas nous qui choisissons le jeu. Tu as même idée. Ça fait comme ça. Donc là, tu vas dans quoi? Dans équiper? Oui. Et en fait, quand on n'a pas de trucs, c'est même nous. Quand on n'a pas de pardon, de bouquet, d'art et de tout ça, ça nous fait un petit passé. Tu vois? Là, je bouge vers ça, mais on peut pas. Si on n'a rien, on n'a pas de boue. Enfin, désolée de vous parler. Allez. Et en fait, des fois, on pourra se téléporter. Alors ça, c'est très utile. Ça ressemblera un petit peu à ça. Il y aura des sanctuaires. Ouais. Là, vous voyez vraiment le jeu. Il y en a là qui vont passer. Lâche la tablette Shaker sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Par contre, Madame Zelda, elle n'est pas très gentille. Elle me coupe la voie. Ça, je vous laisse parler. De la tablette Chica. Bien sûr. Et on pourra aussi avoir d'autres événements. Je vous explique, je ne veux pas beaucoup pendant le premier épisode parce que je sais un petit peu des choses à vous expliquer en fait. Tu es notre lumière, celle qui Rue l'avait perdue. Va. Mets-toi en route. Alors, on y va. Et aussi, ce jeu il est super bon parce que regardez, on peut nager. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'heures, on ne peut pas vraiment nager. On peut aussi étaler. On a une endurance. Au début, c'est aussi notre début d'endurance. Allez, je cours. Là, là c'est lui tout seul, va y aller. Regardez, c'est un beau jeu. Avec un château. Magnifique. Ouais. Oh, ce jeu, il a vraiment, il est super beau. C'est bien réalisé. Limite, on a l'impression que c'est un film. Ouais. En fait, on n'entend pas vraiment parler. Il peut parler. Si vous savez. En fait, il y avait une épée et cette épée-là, elle est super forte. Je vous montrerai le jour je préfère. Quand je ne sais pas, je vais vous montrer un dernier truc. Après, je vais faire comme si je ne savais pas. Je vous montre un dernier truc. Vous voyez, là, où on voudrait bien voir le volcan plus près, le château. Et bien, regardez. L'autre vue. Ça s'appelle. On peut mettre des balises. Pour savoir où est-ce qu'on veut y aller. Au début, ça fait tout le temps ça. Et voilà. On est là. Et on peut aussi aller par tout cela. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Et regardez, la map, elle est immense. Bon, d'accord, j'arrête de vous parler. Désolée. Et en fait... Donc là, il faut aller voir, je suppose, le monsieur qui est tout là-bas. Oui, mais d'abord, on peut récupérer des choses. Des fois, quand on l'a jamais eu, ça fait ça. Parce que vous savez bien, c'est une branche d'arbre. 2 points de dégâts, c'est... Vous voyez, c'est une super truc, 2 points de dégâts. Allez, tac, 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 tac. Allez, on avance. Ce champignon-là, on peut le trouver partout. Le champignon. C'est logique parce qu'on est à Hyrule. Allez, super héros. Super héros, Ertrus. Petit monsieur. Et en fait, des fois, on peut trouver des choses grillées. Pommes grillées. Eh ben, pour griller! Oh oh oh! Ça ne va rien, il y a assez de pommes pour nous deux par ici. Elles sont encore meilleures grillées, oui on sait. Mais c'est comme si on me parlait. Vous voyez, on peut dire 2 choses. Ce n'est pas toujours que vous. J'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Hein? Je t'intéresse à un vieil homme comme moi. C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui. Seul depuis longtemps, un vieil homme un peu fantastique. Là, je vous dis vraiment, vraiment la dernière truc. Le plus beau, lui, c'est le roi. Ah, oui. En fait, il peut se transformer un peu comme ça, je pense. Et toi, jeune homme,
que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? On demande moins sur des. Tu te réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Notre rencontre n'est sûrement pas le fruit de hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau d'Hyrule. Le perso du royaume d'Hyrule a ce que tu racontes. Vous voyez, il y a un petit truc. Il va vous dire c'est quoi dans un instant. On trouve un temple dans ce sur ce château. Sur ce plateau. Un temple qui abriterait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis 100 ans, il y a un bruit, de même que le royaume tout entier. Il n'est plus qu'un lieu isolé et abandonné de tout. En fait, là, c'est pas vraiment si ferme. En fait, il faut aller ici. Non, en fait, non. Là, je bouge qu'on sait plus fort. Et on a compris. Demander ce bouton avec celui-là, c'est faire là. D'accord. C'est faire rien. Donc, on riche, il peut sauver les choses. Même là, c'est. Je sais pas si vous avez entendu du tout, tout ça fait. Oui. Peur, lui. Tiens, votre branche d'arbre va bientôt se briser. Et oui, des fois, il peut se briser. Merci pour ta broche d'art, monsieur. Et où son truc? Voilà. Ça fait quoi? Une corde de Bocolin. Cette corde ne donnerait rien de bon accusément, mais peut-être. Oh. Désolée, mais j'ai un peu marre de lire. Je crois que c'est un épisode. C'était quoi cette bestiole? Oh, c'est un Bocolin. Il s'appelle un Bocolin. Un Bocolin? Là, il va me dire où est-ce qu'il faut y aller. Link. On a compris, tu m'appelais. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Link, là, regarde. Oui, on s'était ici. Enfin, non, c'est pas trop les manettes. Je m'occupe plus de le combat. Je l'ai chuchu. Ah non, j'ai eu plus rien. Ah si, une voilà. Là. Alors, juste de terre ici. Alors, il faut regarder la tablette ou pas? Oui, en fait, je sais où est. En fait, je sais pas si vous voyez. Mais tout en bas, je ne sais plus à gauche, je crois à droite. Oui, il y a un petit truc brillant et ça nous indique où est-ce qu'il faut y aller. On dirait en fait que c'est super loin, mais en fait dans le jeu on avance super vite. Vous voyez, on dirait que c'est super méga loin. Mais enfin non, on marche super vite. Alors tellement j'ai envie, en profitant pour vous montrer, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est super loin, regardez tout ça. Et bien en fait non, c'est juste ici en fait. En fait, eux ils donnent la nourriture, alors du coup c'est bien de les combattre. En fait, non. On peut aussi jeter comme ça. Et bah, c'est juste un truc. Je vais pas dire ça. Et regardez ma technique. Et des fois, les ennemis peuvent croire une fois. Du coup, c'est un petit peu chaud. Je connais un petit peu le jeu, alors je vais juste vous montrer si par exemple vous n'avez pas du tout le niveau pour les battre. Il y a un petit rocher. Et ça, ce sont des bons. Alors, devinez ce que je vais faire. Et attention! Ça! Ça, c'est fait, n'est-ce pas? Je vais me crier. Miam, miam! Miam, miam! Et ça aussi, cet objet-là, on le trouve un petit peu partout. Ça s'appelle la Racine Boko. Et aussi, même qu'on peut attendre dans le jeu. Est-ce que dans le jeu... Ah non, ça veut pas. Parce qu'en fait, dans le jeu, le temps, il arrive super vite. Bon, allez, le temps a assez duré, on y va. D'accord, je les avais pas eu, le 2. Je suis juste à côté d'eux, ils vont me voir. Ils vont oublier. Oh, coucou, toi. Ça prend la peine. Et en fait, quand là, ça tourne sur le cas, ça fait un coup de triplique. Bon, en fait, là, j'ai plus rien. Non, mais... J'ai plus rien! Coupe-toi! Comment vas-tu? Et on peut aussi siffler. Tu vas un peu avoir des chevaux. Des fois, les ennemis peuvent nous entendre. Là, regardez. Là, ça va être beau. Regardez. Tablette Sheikah. Vous voulez insérer la tablette Sheikah.
que nous, on la met. Je crois qu'il se demande un peu c'est quoi. Et là, il va avoir une tour, ça va être trop beau. Regardez, ça va être beau. C'est trop beau dans un instant. La Tcheka, activation reconnue. Quelques secousses sont après, voilà, mais c'est trop beau partout. Oui. Je dirais que tu en es mort. Je dirais qu'il se passe un truc terrible, mais enfin, non. C'est un truc. J'ai vu ça faire un truc de la terre. Ah oui, vous voyez là le bleu qui a vu. Et enfin, non, c'est un méchant. Oh merci, je n'ai pas envie de vous battre. Si tout le monde se demande c'est, elle sert à quoi c'est tout, en fait, bah en fait je crois qu'il y a toujours la systématique. Ah oui, tour du prélude. En fait on peut trouver des tours, ça sert pour savoir à quoi on ressemble sur notre carte. Version des données topographie, vous voyez. Ça va nous donner à quoi ça ressemble sur la carte. Je vais vous montrer ça quand on pourra. Plutôt quand on pourra. Bah en fait non, ça vous monte automatiquement, regardez. Vous voyez, ça nous monte. Et les petits trucs là, vous voyez, ce sont des trucs pour vous avez pas menti. C'est pour se téléporter. Du coup, vous avez pas menti. Alors me dites pas, vous disiez pas du menti. Allez, systématique, encore. Il y a que ça au début en fait. Ouais, il y a plein de systématiques. Au début. Souviens-toi. Faut savoir bien. Souviens-toi. Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. En fait, faut faire des choses, et en fait, il nous demande de faire vite. Et même si on reste 1000 ans sur le jeu, il nous dit même pas, le temps est passé. Ouais. Oui. Vous voyez, en fait, je vais vous montrer c'est quoi un sanctuaire. On a juste un là, vous voyez, ben ça c'est un sanctuaire. On va nous demander d'en chercher 4. Je ne sais plus en fait déjà disparaître. Ah oui, on se demande là où il faut sortir, il y a des pierres. Et maintenant, dans un cher petit escalier, est-ce que vous pensez que Link, s'il tombe, il a pas mal. Bah là il est mort à mon avis, oui. S'il tombe. Hein. Oui, surtout moi je me demandais comment on fait. J'ai sauté, je pensais que Link n'allait pas prendre de dégâts comme les autres jeux. Et bah si. Oui, ça, tu n'es pas tombé. Sinon, l'équipe ferait 15 minutes. C'est un sort de petit escalier. Je dirais trop en fait que tout le temps on va mourir. C'était un truc de chaud. Là, je crois que je peux toujours mourir. Je crois que là, je pourrais pas trop mourir. On va calme, je sais pas trop essayer. Ah, à mon avis, si tu sautes encore là, tu meurs. Hein. C'était quoi ça? C'était comme en fait. Ça c'est la paravoile en fait. Pour sortir d'ici. Et c'est très utile une paravoile. Tiens, tu as volé une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je vous trompe, soit il y a une grande puissance dont on assoupit au fait surface en irule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Car là, quand il y avait une voix. T'as entendu une voix qui semblait venir du château. Cette voix, tu l'as reconnue? Bah non, moi je sais ce qui. Je vois, c'est bien dommage. Tu imagines que tu as remarqué le ramalfi qui amène du château.
Et c'est le boss final qu'on devra combattre. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine de la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudain, ravagé et fini les villages, laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance authentique est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison, autant qu'il est revenu contre l'environnement, sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En fait, non, il ne faudra pas partir au château. Je m'en doutais, parce qu'on va dire le feu avec trois cœurs. Mais ce plateau est occupé du reste du monde par la foudre ravintimento. Si tu sauterais ici, ton corps finirait brisé par l'entard de la chute. Tu m'étonnes. Ouais. Sinon, ça lui fait damn over. Et si tu... Évidemment, si tu avais une parole comme moi, ce serait une autre histoire. Donnez-moi de l'amour, dira un enfant. Donnez-moi de l'amour. Donne. Oui, et vous voyez, ça va pas avoir. Ça aussi, c'est un objet. Mystérieux, mais compris, comme la tablette Chica. Et avec plaisir, mon garçon. Une petite position toutefois. Allons voir. Passons au marché, toi et moi. Il y a un trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. C'est pas vraiment un trésor. Mais bon. Faut suivre. Oui, bon, on t'a compris. Hey. Non, si, je suis mort. Je ne dis pas, il dure pas comme ça. Faites-y, en fait. Il avance pas très vite. Il avance. Il s'y marche. On entend ses bottes. Il part de les sanctuaires. C'est pas vraiment un cadeau. Tiens aussi ces sanctuaires, ça donne un emblème du crayon. Et tu en as 4, les enchaînes ici. Et comme ça, bah on peut avoir un tour en plus ou plus d'endurance. On peut faire ça aussi en autonomie. Mais pour l'instant, c'est tout ici. Car cette direction, tu la vois, n'est-ce pas, entrée du sanctuaire, brillant une lumière mystérieuse. Et c'est à lui au moment où la tour est sortie de terre. Par contre, ils sont là pour parler. Par contre, ils sont là. Ah. Tu peux être sûr que le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma parole, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les trésors qui m'intéressent. D'accord, alors j'y vais. C'est pas trop. Vous ne pouvez pas encore lui parler? Non. Non. Il faut aller directement au sanctuaire et après il va revenir, il va nous apprendre comment nous téléporter. En fait, on peut déjà se téléporter, regarde. Vous voyez? Mais je vais pas le faire, j'ai pas envie de commencer tout le chemin. Oui, je crois que c'est assez pour qu'on passe tranquillement. Le bleu, je sais qu'il est ici, il me tue en un coup. Mais lui, il me tue en un coup. Même, je crois, dans mon lit, dans mon compte aussi, il me tue en un coup. Si elle va le sauter, tu savais pas faire un jeu pour le jeu. En fait, quand on reste un petit peu longtemps, on peut aller plus loin. Mais on va aller, vous voyez, ça dure plus longtemps. Attends, des fois, tu peux même couler dans l'eau. Attendez, là, je vais couler. Je trouve une pause. Quoi? Bah rien. Je croyais que tu m'avais appelé. Allez, c'est là. Allez, vite. Ah oui, ça te gêne. Mais ça me gêne, ça. C'est malin. En fait, je voulais pas appuyer sur ce bouton-là, mais ça va être discret. Alors maintenant, vous le savez. Ça y est, enfin. Vous voyez, là, il y a des trucs en métal, ça peut pas se tasser. Comment on fait? Et bah, des fois, on peut avoir des petits trucs sur un bouton. Pour l'instant, pourquoi pas. Je vais vous le donner maintenant. Vous voyez, ce sont bien des sanctuaires. Ici, pour se téléporter. Ouais. Activation de point de téléportation en crypton sur la carte. Ce jeu-là se déroule automatiquement pour ce joueur. C'est plutôt cool pour les vidéos. Quand c'est mieux, comme ça, c'est de plus rapide. Pour tout, on met plus de vidéos. Et on peut aussi sauvegarder en faisant un truc.
astuces qui s'affichent sur cet écran vous seront utiles au long de votre instructeur dans le jour d'expérience en tourier, avant tous les jours. Qu'est-ce avec un arc? Pour l'instant, on n'a pas d'arc. Et qu'est-ce que t'en penses si on laisse ça pour une autre vidéo? Ah oui, je crois que les ceintures ne vont pas se garder assis. Pourquoi? Oui. On se reste là pour la vidéo ou pas, les amis? Ça va durer un petit peu trop longtemps après. Oui. Hein. Et après, le truc va s'éteindre. Sans ceinture, je vous dis bonjour les amis, au revoir. Bon, t'as envie de refaire d'autres vidéos comme ça, toi? Oui, moi je trouve ça bien. Tu trouves ça bien? Oui, par contre, je vais apprendre à le faire. Attendez. Bah tellement ça va pas durer longtemps à vous aider mon truc. Je tiens toujours ma promesse. Avec les boutons là. Vous faites sauvegarder. En fait, quand on ne sauvegarde pas comme ça, ça ira un petit peu plus loin. Et du coup, ça va un peu nous redire ce qu'on a fait. Alors, au revoir les amis, goodbye. Au revoir, je m'appelle. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao, bisous.